Bonjour à tous, ici Emmanuel et bienvenue sur la chaîne Emmanuel K. Ravi de vous retrouver comme à chaque fois et bonne année à tous. Vraiment, santé et prospérité et surtout réussite dans tout ce que vous allez entreprendre au cours de cette année-ci. Pour ce premier épisode de l'année 2023, on va démarrer très fort les amis et on va parler des faits, des clips, de drill, de trap et de rap. Si toi aussi parfois tu as du mal à pouvoir créer des effets super cool, super sympa et dynamique comme ce que tu as l'habitude de voir dans les gros clips de rap, alors sache que j'ai la solution qu'il te faut. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi un pack de plus de 60 effets super cool et vraiment dynamique, personnalisable bien évidemment, que tu pourrais utiliser dans tous tes projets trap, drill et rap. Alors si c'est la première fois que tu arrives ici, sois la bienvenue et surtout n'hésite pas à lâcher un pouce bleu car ça fait toujours grave plaisir et ça permet à YouTube de référencer la vidéo et par ricochet soutenir la chaîne. Si toi aussi tu es passionné par tout ce qui est montage, réalisation, clip, caméra, matériel, bref tout ce qui peut graviter autour du monde de la vidéo, alors sache que tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner pour nous rejoindre et surtout active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Assez bavardé, on va passer directement sur Adobe Premiere pour voir comment est-ce qu'on peut importer ce pack dans le logiciel et bien évidemment comment est-ce qu'on va l'utiliser, le personnaliser pour le rendre encore de plus en plus dynamique sur nos projets. C'est parti. Voilà, rapidement on se retrouve sur Adobe Premiere pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut importer le pack, l'installer dans Adobe Premiere et bien évidemment comment on va l'utiliser. Son utilisation est relativement très très simple et très basique. Voilà. Et il faut noter que ce pack va se décliner sur deux versions. Une version gratuite qui sera limitée bien évidemment à 3 effets. Question d'apprécier le dynamisme et l'efficacité de ce pack avant tout simplement de passer à l'action. Et le pack, l'action. Et le pack professionnel lui va contenir tous les effets. Et en guise de bonus de bonne année, pour tous ceux qui vont acheter le pack d'effets, vont bénéficier automatiquement du dernier pack de lutte que j'ai mis à votre disposition. Là, on a vraiment l'idéal pour le workflow d'un monteur. On passe directement pour voir comment est-ce qu'on va importer ça. Pour ce faire, c'est très simple. On va venir sur ces 3 flèches ici. Si vous n'avez pas la fenêtre effet déjà activé, autant pour moi, vous venez sur ces 3 flèches, vous sélectionnez effet. Là, c'est bon, moi je suis déjà dans la fenêtre. Donc, si je reviens par exemple ici à projet, je peux revenir sur les 2 flèches, je clique. Et je ressors rapidement sur effet. Voilà. Une fois que je suis là, je vais importer facilement le pack. Pour l'importer facilement, on vient ici, on fait un clic droit là, importer les préconfigurations. Je clique. Je m'avais cherché où j'ai logé le pack dans mon PC. Bien évidemment, moi je l'ai mis rapidement sur le bureau pour ne pas me prendre la tête. Donc je viens, je prends Trap Musique Vidéo FNX and It. On va importer ça, moi je l'ai déjà importé. Une fois que c'est importé, on vient dans Preset. Le voici ici, Trap Music Video, FX and Hit. Voilà, on va passer rapidement à l'utilisation qui est relativement très simple. Il faut savoir que ce pack a deux inclinaisons. Une première qui est FXX, voilà, qui prend en charge 10 images clés pour appliquer chaque effet. Donc, des parts et d'autres, vous allez compter. Dès l'instant où vous avez choisi d'effectuer votre effet, de la gauche comme vers la droite, vous allez compter 10 images. Et le second pan en bas, lui, on compte 20 à 22 images. Donc, on va passer rapidement sur le premier truc. Je vais compter 10 images. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais couper. CTRL-C. Je viens rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais couper. Et ce que je vais faire, je vais sélectionner tout ça. Je maintiens la touche Alt appuyée et je glisse vers le haut. Je maintiens là, je glisse. Je vais prendre FX Premier. Voilà, on va prendre, on va aller sur normal. Il y a plusieurs styles. Voilà. Je vais prendre normal. Je vais prendre le style, genre le style 4. J'aime bien le style 4 original. Donc je vais prendre ça, je mets là, ça, je mets là. Je vais prendre le out, out, sortie, in, entrée. Voilà. Voilà. Tout simplement. Voilà.
Maintenant, si je vois par exemple que cette lumière-ci là me gêne, je peux modifier juste mon effet. Je clique juste là, je m'en vais dans option d'effet. Si ce n'est pas là, vous cliquez sur les trois flèches ici, vous choisissez option d'effet. Une fois que c'est là, vous pouvez, voici ici, vous pouvez modifier ce que vous voulez. Par exemple, je peux enlever la lens distorsion, je peux enlever le transformer, je peux enlever la couleur colorimétrique. Si je veux pas que mon image change de couleur, je peux enlever le code temporel, le code. Bref, je peux enlever plein de trucs. Par exemple, ici, ce qui m'énerve un peu plus, je vais dire que moi, je vais enlever la couleur. Je vais laisser le code. Donc, on a ça. On va passer à la seconde déclinaison. C'est la même chose pour tout ce qui est FXS. Voilà. Donc, on va passer ici à la deuxième déclinaison. Moi, je vais compter 22 images. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je mets ma clé, je coupe. Voilà. CTRL-C, je mets ça encore là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 18, 19, 20. Désolé. Alors, une fois que c'est fait, je vais dupliquer. Voilà, je viens ici. Normal. Bon, je prends R, je vais prendre A, style 5 par exemple. Style 6, voilà. Le 1-1 c'est ici, voilà. Le 2 c'est là, le 2-2 c'est ici, le 3 c'est là, et le 3-3 c'est là, voilà. Par exemple, je me rends compte que le rouge là peut-être l'est trop pour moi. Moi, je par exemple ça, je fais ça. Je clique juste là, ça enlève, je viens ici, c'est la même chose, je clique là sur la couleur là. Donc voilà, vraiment amusez-vous, lâchez-vous, créez et soyez vraiment créatifs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'a plu et que ça va te permettre de dynamiser encore plus tes clips vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne. Dans les jours qui viennent, je vais aussi partager avec vous une vidéo de voyage que j'ai effectué à l'Ouest Cameroun. Donc d'ici à la porte, toi très très bien et à vendredi prochain pour un nouvel épisode sur la chaîne. Ciao.